comme vous le voyez derrière moi, la vidéo portera sur la troisième partie d'une dissertation, plus précisément le développement, comme plus connu sous le nom de la synthèse, ou bien de la complémentarité, ou bien de la réconciliation. Alors, souvent, je crois que les élèves ont tendance à avoir des problèmes par rapport à ça. Avant de nous plonger au cœur de ça, comprenez qu'il y a deux types de troisième partie. Il y a une troisième partie de développement qu'on appelle la nuance 2. Qu'est-ce qu'une nuance 2 justement? C'est une troisième fonction qui n'a rien à voir ni avec la thèse ni avec la nuance. C'est-à-dire la première partie, vous avez la thèse, la deuxième partie, vous avez la nuance, la troisième partie, si c'est l'esthétique, en poésie, bien entendu, ou bien le lyrisme, là on appelle la nuance 2. Maintenant, si c'est la réconciliation entre la thèse et la nuance, ce n'est plus la nuance 2, mais cette partie s'appellera la synthèse, comme vous l'avez constaté, ou bien la complémentarité, ou bien la spécialiste. N'oubliez pas aussi d'abonner davantage sur la chaîne. Là, j'interpelle directement les élèves du cycle secondaire, la seconde, la première, la terminale, et aussi les étudiants, etc. Alors, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, aujourd'hui, il est question de travail sur la synthèse. Alors, plus connu sous le nom de la troisième partie d'un développement, comme j'ai dit tantôt, il ne faut jamais confondre la synthèse avec la nuance numéro 2. Parce que la nuance numéro 2, c'est une fonction. Ça peut être l'esthétique, si c'est la poésie, ça peut être le lyrisme, comme ça peut être l'engagement. Si c'est la littérature, ça peut être une autre fonction. Si c'est le roman, la même chose, ou bien le théâtre. Mais ne l'appelez jamais la synthèse, parce que ça s'appelle la nuance 2. Alors, qu'est-ce qu'une synthèse? La synthèse, c'est la réconciliation entre la thèse et la nuance. Il y a certains qui préfèrent dire le mot synthèse, d'autres la complémentarité. Il y a un troisième lot qui préfère mettre en évidence la réconciliation. Quand est-ce que nous avons la synthèse? Au niveau de la consigne de votre dissertation, lisez la dernière partie où on met enfin, ou bien terminé, ou bien dans un troisième temps, ou bien troisièmement. Quand l'élève voit troisièmement, il lit la suite suivante. Troisièmement, mettez, démontrez que les fonctions ne s'expliquent pas. Quelles fonctions on fait allusion à la fonction déjà développée au niveau de la thèse et la fonction déjà développée au niveau de la nuance. Ou bien prouver que les deux orientations sont complémentaires. Ou bien aller au-delà de ces orientations. Ou bien vous me dites, vous faites un cocktail entre ce qu'on appelle les deux idées. Alors dans ce cas de figure, l'élève est obligé de mettre en évidence cette complémentarité ou bien la réconciliation ou bien la synthèse. Alors justement, pour faire une synthèse, c'est très simple. Il y a deux possibilités. La première possibilité est la suivante. L'élève, il prend un seul auteur. Un seul auteur. Dans une même citation. Dans une même citation qui parle des deux fonctions que vous avez déjà développées au niveau de la thèse et de la nuance. Par exemple, on donne aussi sur la poésie ou bien sur la littérature. L'élève, il développe la littérature engagée au niveau de la thèse. Deuxième aspect, il développe la littérature esthétique. Ou bien la poésie, la fonction engagée de la poésie et la fonction esthétique de la poésie. Et à la fin, comme j'ai dit en gros, il lit, démontrer que ces deux orientations ne s'excluent pas. Ou bien, faites le cocktail entre la forme et le fond, ou bien entre ces deux orientations. Ça, c'est le premier exemple. Vous voyez, la référence hygolienne, qu'est-ce qu'il dit? L'art pour l'art, c'est beau, mais l'art pour le progrès est meilleur. Justement, cette citation est composée de deux aspects. Quand il dit l'art pour l'art, c'est beau, il fait allusion à la décoration. Mais quand il dit l'art pour le progrès est meilleur, il fait allusion à l'engagement. Donc dans ce cas de figure, dans cette citation, Hugo a tenté de mettre en évidence à la fois la fonction esthétique et la fonction engagée. C'est valable pour la poésie, c'est valable pour la littérature. Encore une fois, un seul auteur dans une même citation qui parle de ce qu'on appelle des deux fonctions que vous avez déjà développées. L'une occupe la thèse, l'autre occupe la nuance. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, il y a un deuxième exemple de citation avec l'enfant régional. Je me nomme M. Léopold Sérard Senghor. Qu'est-ce qu'il nous dit? La poésie est une partition de jazz dont l'exécution est aussi importante que la thèse. Là, qu'est-ce que vous avez constaté? Quand il dit le jazz, il fait allusion à la musique. Qui dit musique dit sonorité. Qui dit sonorité dit la forme esthétique. En réalité, le beau. Maintenant, quand il dit dont l'exécution est aussi importante que la thèse, qui dit texte dit idée. Qui dit texte dit message, qui dit texte dit discours, qui dit ces trois-là fait allusion à l'engagement. Qu'est-ce qu'il veut dire l'enfant régional? La poésie est à la fois la perfection formelle et les questions de la société. Comme dit Hugo, la poésie ou bien la littérature est à la fois la perfection formelle et les questions sociales. Maintenant, il y a une deuxième possibilité, laquelle, cette fois-ci, un seul auteur dans une même œuvre. Un seul auteur dans une même œuvre qui parle des deux fonctions que vous avez déjà développées. Alors,
Ça, c'est le plus simple. Moi, j'ai dit souvent aux élèves que si vous avez la tête en général ou bien la poésie, on donne n'importe quelle fonction, la fonction lyrique ou bien l'invasion, les deux sont trop liés d'ailleurs, la fonction engagée, vous avez la fonction esthétique, etc. Si on demande à elle de faire la synthèse, il y a un livre, il y a un recueil qui s'appelle Les contemplations de Monsieur Victor Hugo, paru en 1856. Dans ces contemplations, toutes les fonctions de la poésie sont dedans. Que ce soit, comme j'ai dit tantôt, le lyrisme personnel, le rêve, l'engagement dans le fond, c'est-à-dire les questions sociales, l'esthétique, tout est dans les contemplations. C'est la raison pour laquelle je dis souvent que c'est la synthèse la plus adéquate. Pourquoi? Parce que dans les contemplations, c'est composé de deux volumes, c'est-à-dire deux parties. Mais chaque partie est composée de trois livres. C'est la raison pour laquelle on dit que le livre est composé de six livres. Mais ces six livres sont scellés en deux. Alors, la première phase des contemplations, autrefois. Autrefois, Hugo l'a surnommé une poésie pure. Qu'est-ce qu'une poésie pure? Logiquement, une poésie pure, c'est une poésie esthétique. Dans ce cas, nous avons la décoration. Pourtant, dans Autrefois, il y a le livre numéro 1 qui s'appelle Heureux. Dans Heureux, Hugo a raconté sa propre vie. Il a démontré son lyrisme jovial. La preuve, il est revenu sur ses premiers amours amoureux avec une jeune fille qui s'appelle Lise, qui avait 16 ans. Il l'a même écrit. J'avais 12 ans, elle avait 16 ans, je l'aimais, elle m'aimait, nous étions de jeunes adolescents. Ça, c'est le lyrisme personnel. Pourtant, l'esthétique est dedans. Il est aussi revenu sur ses relations qu'il avait avec ses amis au collège. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on a? Nous avons d'abord, dans la poésie, la fonction esthétique, nous avons la fonction lyrique, toujours dans votre foi, nous avons le livre qui s'appelle le livre LRF. Dans le livre LRF, il y a deux poèmes très engagés. Le premier s'appelle Mélancolia, où Hugo dénonce le travail pénible des enfants. Le deuxième s'appelle Le Manga, où Hugo dénonce le travail, le déséquilibre social. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que dans Autrefois, nous avons la poésie comme décoration, nous avons la poésie comme lyrisme, nous avons la poésie comme engagement et la synthèse qu'on appelle dedans. Autrement dit, vous avez réconcilié la thèse et la nuance. Maintenant, il connaît avec le deuxième volume. Dans le deuxième volume des trois derniers livres, il y a le livre numéro 4 qui s'appelle Pocabea, plus connu sous le nom du livre d'idées. Pourquoi justement le livre d'idées? Parce que dans ce livre-là, Hugo n'a parlé que de la mort de Léopoldine. Dans Pocabea, nous avons le poème le plus célèbre, en tout cas le plus connu des élèves, qui s'appelle Demain des loups. Dans Demain des loups, nous savons tous que c'est le lyrisme personnel avec la mélancolie. Quand Hugo pleure la perte du regard de sa fille, il met en évidence son projet de visite devant la tombe de sa fille. Alors quand il dit je ne regarderai nulle l'autre histoire qui tombe, autrement dit, le poème n'a plus beau à la fille. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces déclarations? Dans ces déclarations, Hugo pleure la perte du regard de sa fille, morte noyée, nous avons le lyrisme personnel. Pourtant, dans Demain des loups, nous avons la fonction ici. Le pourquoi, si nous prenons le premier quatrain, Demain des loups à l'eau blanche la campagne. Ça, c'est la fin du premier vers. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Ça, c'est le deuxième vers. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Vous avez le troisième vers et le quatrième vers. Je ne puisse que me déloigner de toi. Mais maintenant, là, qu'est-ce qu'on a remarqué? La poésie est décorative. Campagne, montagne, la rime est féminine. Attends, longtemps, la rime est masculine. Ah. B, A, B, les livres sont croisés. Dans ce cas-là, la poésie devient décorative. Maintenant, il y a le dernier livre qui s'appelle Le mystère de l'injustice, où Hugo dénonce ce qu'on appelle l'injustice dont le peuple est victime. Quand rien que les contemplations, j'ai évoqué dans le premier volume le lyrisme personnel, j'ai évoqué l'engagement dans le fond, les questions sociales, j'ai évoqué, l'esthétique. Dans le deuxième volume aujourd'hui, j'ai évoqué le lyrisme personnel avec Demain des loups, Pocabea, extrait de Pocabea, bien entendu. J'ai évoqué ce qu'on appelle les problèmes de la société et j'ai évoqué en même temps ce qu'on appelle la décoration. Donc, si vous avez un sujet qui parle ou le thème général de la poésie ou bien la littérature, n'importe quelle fonction dont il s'agit, on vous demande de faire le cocktail ou bien la réconciliation ou bien la complémentaire. Ne cherchez même pas à comprendre. Prenez ce qu'on appelle les contemplations de Victor Hugo parce que toutes les fonctions sont dedans et vous aurez ce qu'on appelle votre synthèse. Maintenant, la grande question que l'on se pose, comment faire pour élaborer ce qu'on appelle ce paragraphe? C'est très simple. L'élève, après avoir fermé avec la conclusion partielle de sa nuance, il part justement dans la ligne. Qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, les fonctions de la poésie ne s'excluent pas. Autrement dit, elles sont complémentaires. En termes plus clairs, la poésie est multifonctionnelle. Hugo dans les contemplations prononce une illustration. En effet, cette œuvre est composée de deux volumes. Autrefois, une poésie pure, et aujourd'hui, une flagellation des mots et de l'injustice des drôles de chefs. Et vous avez votre synthèse. Maintenant, si c'est la littérature, à la place de la poésie, vous mettez la littérature, à la place du poète, vous mettez l'écrivain. Comment? Toutefois, les fonctions de la littérature ne s'expriment pas.
Au contraire, elles sont complémentaires. En termes plus clairs, la littérature est multifonctionnelle. Maintenant, la référence est la même, parce que la poésie est dans la littérature. Comme j'ai dit, pour attirer encore votre attention, vous permettre de prendre note chez vous si jamais vous regardez la vidéo, Hugo dans les contemplations pour nous servir d'illustration. En effet, cette œuvre est composée de deux volumes. Autrefois, une poésie pure, et aujourd'hui, une flagellation des mots et de l'insulte de l'ordre de Cerf, et vous avez votre synthèse. Maintenant, l'élève n'est pas obligé à chaque fois de prendre ça. Si jamais il a, comme j'ai dit sur le discours inaugural, il a l'esthétique comme thèse, engagement comme nuance, ou bien l'inverse, et on demande de faire la synthèse. S'il ne veut pas se fatiguer, il veut prendre les contemplations, mais au cas où il veut prendre cette citation. Maintenant, le paragraphe ne change pas. C'est la citation qui change. Toutefois, les fonctions de la poésie ne s'excluent pas, ou bien les fonctions de la traduction ne s'excluent pas. Au contraire, elles sont complémentaires. En termes plus clairs, la littérature, ou bien la poésie, elle est multifonctionnelle. C'est dans ce sens que Hugo dira, là pour l'art c'est beau, mais là pour le progrès. Mais elle a essayé d'expliquer un peu la situation. Autrement dit, l'art, ou bien la littérature, ou bien la poésie, qui fait allusion à la perfection formelle, est bien beau. Mais celle aussi qui met en évidence les questions de la société semble être ce qu'on appelle meilleure. Et là, vous avez ce qu'on appelle votre synthèse. Au cartésien, vous prenez l'enfant de Joval, qu'est-ce qu'il dit? Senghor dira, la poésie est une partition de jazz dont l'exhibition est aussi importante que le texte. Je lui dis tantôt, qu'est-ce qu'on entend par jazz? C'est la musique, la sonorité, la décoration. Qu'est-ce qu'on entend par le texte? Le discours, vous avez ce qu'on appelle les problèmes de la société, vous demandez l'engagement et vous avez votre synthèse. Et attention! Ce que j'ai dit est valable que pour la poésie et la littérature. Si vous regardez l'une de mes vidéos par rapport à l'année précédente, j'avais développé une synthèse sur le roman. Si vous voulez comprendre la synthèse sur le roman avec mes exemples d'échange, rentrez dans les vidéos et tapez ce qu'on appelle la séquence suivante, synthèse sur les fonctions du roman. En grosso modo, nous avons aussi ce qu'on appelle entamer le théâtre, parce que cette année, je pense que dans le programme, on ne va pas l'enlever. Il y a aussi certaines élèves qui me demandent de faire le commentaire de texte, mais rassurez-vous, nous sommes en train de travailler sur là-dessus. Voilà, nous sommes obligés de nous arrêter là, au fond de notre discours. Rendez-vous dans 15 jours, dans les chaînes YouTube. Autrement dit, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre aimable attention.